Bonjour tout le monde, ici Pick-up of QC pour un autre épisode de Monster Hunter Rise. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait l'armure du Somnacant. Vous voyez comment c'est nice. Vraiment beau. On a le chien aussi là qui est quand même nice. On a le palico. Que j'aimerais ça qu'on le voie. Donc c'est une armure qui donne 111 de défense. J'ai trouvé un moyen de regarder des armures. Moins 2 de feu, 13 d'eau, moins 12 de foudre, 3 de glace, 8 de dragon. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une bénédiction. À une chance bénéfique de réduire les dégâts que vous subissez. Donc, x2, ça dit dégâts subis moins 30%. Ça le bombardier, augmente les dégâts occasionnés par les objets explosifs. Puissance explosive plus 20%. La nuit porte conseil, augmente la puissance des attaques élémentaires somnifères. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Augmente la durée des effets pour certains objets. Durée plus 10%. Chimiste. Donc voilà, quand même une bonne armure. Donc là, on va continuer notre... une mission avec la prochaine, bien sûr. J'ai tu tout ça, c'est beau. Okay. Donc, glacé à blanc, chasser un baryote. Et my god, j'ai déjà battu ça. Moi? Je pense que j'ai jamais battu un baryote de ma vie. Je sais que c'est un vieux monstre. Noble étranger, déjà qu'il est difficile de trouver de la nourriture à l'archipel de glace, s'il faut en plus se coltiner un baryote dans les parages, on va mourir de faim. Tu voudrais bien nous t'en débarrasser pour nous? J'ai aucune connaissance sur ce monde-là, honnêtement. Je sais qu'il est dans Génération Ultimate, je l'ai jamais vu. Puis je crois qu'il est dans World, mais Iceborne, je l'ai jamais vu encore. Donc pour moi, ça va être un nouveau monstre. Il est-tu comme le... Nerdgigant... La panthère noire, là. Je sais pas si ça va faire. On va voir. Ah, peut-être ça va péter la gueule aussi. On sait pas. Je sais pas ce que ça fait comme. J'ai 3 de défense contre la glace. On va essayer. Glacé à blanc. A biting cold. Freezing winds cutting deep. Enter its domain, and the price will be steep. Don't fall for the charm of its shining white gown, for it will tear you up before taking you down. Gros glacé, barrière, et boy. Ça va être plaisant, ça. Il y a un Kaizu sur la map aussi. Il y a une fortinette dans la map. Il est là. Corbeau joie. Plus de récompenses en vue, yes sir.
Oh my god, qui est beef! Oh shit! On va arrêter de prendre des photos. Il y a une... Ah, là, une grosse queue. Hey, immense! C'est dégueulasse. Sa queue est un petit problème. Ouais, je la pète ou je sais pas trop. Je peux la couper? Oh god, what the fuck is that? Ouais, ça va être un problème, ça. Déjà. Ok. Ah, il est pas petit là, c'est un des plus gros à date que je me bats comme dans le jeu. C'est clair que ces crocs sont pétables. Oh shit. Allô? J'aime ça, ça donne du challenge comparé aux autres monstres. Ah! Tornade.
J'ai pété quelque chose. Ok. Yeah, la queue! Faut que je loue sa queue. Sorry, but duty call. Il peut vraiment pas. Est-ce que j'ai pété d'autres dans sa face? Une patte? Ah, ok, j'ai pété une patte, je pense. Je crois que oui, oui. J'ai pété une de ses pattes. Queue barriotte. Parfait, on a pas mis... Okay, sa queue est pétable, ses bras sont pétables. Et j'ose penser que sa face aussi. Je vais essayer de péter sa face. Au moins, c'est croc. Il est très rapide. Yeah. Oh shit. Il a plus ses belles dents, ça. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Trouver de la viande? Ça va bien.
bon, là. Qu'est-ce qui m'a fait du poison? Oh my god, c'est les autres. Bien mourir. God, qui est résistant, ça y est. Qui s'en va où, là? Il s'en va au 5. Peut-être plus vite si je m'en parle. On l'a eu. Cuirasse Bariote. Poche de givre. Et croc d'ambre. Oh my god. Ça, c'était du monstre. Ça, c'était du monstre. On l'a eu. On a du pelage, on a eu deux queues.
Griffe, Barotte, Bariotte et Croc d'Ambre. Je pense qu'on a tous les morceaux. D'avoir tout eu les morceaux du monde. C'est sûr qu'il y a un double blade avec ce monstre-là. Pas mal sûr et certain. On va aller voir. Bariotte, là. 90 plus 15 de glace. C'est sûr que c'est intéressant. Comparé à l'autre, c'est 80, je pense. 80 plus 15 de glace. C'est un petit peu meilleur que l'autre. No need to hurry. There's plenty of time. Il y a beaucoup plus de verre aussi. Je vais probablement les faire, ouais. Point de Bariotte. Cuirasse Bariotte. J'ai pas eu de point de Bariotte, par exemple. Comment tu fais ça? Cuirasse Bariotte. C'est la cuirasse qui me griffe Bariotte. Comment tu fais avoir une pointe de Bariotte? Wyvern régnant sur les plaines gelées de la toundra. Le Bariotte se déplace facilement sur la glace grâce à ses pattes avant, sa queue et ses écailles pointues. Cette assiance sur la glace le rend difficile à suivre. Coup d'eau. Pattes avant. Faible contre le feu. Ok. Le feu ou l'explosion? J'ai pas l'explosion. Okay. Cuirasse Bariotte. Dépassage dégâts de tête. Ok. Dépassage torche ou queue. Pelage. Ok. Griffe. Dégâts épines. Épines doit être ses pattes, ça. C'est la pointe. C'est quoi la pointe? Dégâts tête. La pointe. Ça va être l'objet le plus rare de tout. Ça veut dire qu'il faudra tuer plusieurs fois le monstre. Ce qui est correct en soi. Un autre monstre à découvert. Donc voilà pour cet épisode. Merci d'avoir été là tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.